Salut tout le monde, c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Fortnite pour vous présenter le grand rapace. Le nouveau skin du rapace est sorti. Là, vous pouvez le voir. Le rapace est magnifique. Le rapace à la classe, c'était une vanne absolument dégueulasse. On va essayer de se faire un petit top 1 sur Fortnite aujourd'hui. C'est parti, dropez les pouces bleus, on y va. Ok, c'est parti, on y est, le landing est là. Où est-ce que drop le petit bus? On va partir pour un retail rose, ça va claquer sévère. Aujourd'hui, on va siquer le kill avec le rapace et on va essayer de se faire un petit top 1 des familles, un top 1, un vrai top 1. Let's go! Nous sommes actuellement 3. Lui, il va sauter dans ma maison. On va essayer de lui niquer sa mère. Hop, je vais spawner. Il est au top tout de suite. Je vais descendre, je vais prendre un péteux des enfers. Je vais lui rusher sa mère. Il va pas être prêt. C'est parti, mon pote. Hop, c'est fini. Shotgun bleu, c'est à moi. Le first blood for the Rikinu. C'est good, c'est good. Non, il y en a deux, il y en a deux, il y en a plusieurs. Waouh, ça sent cul sec. Ça va le faire, on est en early game avec un shotgun bleu. On va aller tous les rusher, vous allez voir. Tac, un petit pistolet bleu encore. Quelques balles d'air, quelques balles de shotgun. Encore du shield. Monsieur, je vous ai entendu ici, monsieur. C'est terminé, tu joues plus. Ok. Putain, il a failli m'enculer. Oh. Nom de Dieu. Give me the bandages. Bandages. Hop. Un deuxième bandage. On part sur un 3 kills en early game. C'est bon. Il faut rusher pour avoir du kill. Il faut rusher. Alors, deux popos et let's go. On va aller chercher les ennemis. Les ennemis. They are actually both in front of me. I'm gonna wreck them so fucking hard. I'm gonna wreck them. Top. Boom. Pouh. Au niveau du magasin du pêcheur, nous l'avons vu, il est en train de build, il se fait un petit mur. Attention, nous prenons de la hauteur pour soulever effectivement notre camarade qui est ici. C'est un magnifique Bambi de type Bambinos qui s'est fait péter le cul devant tout le monde. Hein, ça fait extrêmement plaisir, on part sur un petit 4K. Et il ne reste plus que 50 personnes en vie. Effectivement. Monsieur White Shark, que pensez-vous de ce début de partie? Alors écoute Thierry, je suis vraiment très satisfait. Ça fait extrêmement plaisir. On va se trousser la gueule. 25 HP, ça fait la différence. Et on va écouter. Nous avons la zone à côté de nous. Oh god damn it! Cette fois-ci, où est-ce que nous allons aller? Boum 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 boum. Un petit retail row. Par contre, là, ça va vraiment être hardcore fighting 2.0. Là, pour le coup, ça va vraiment être vénère. Hein. Parfait. Je vais pouvoir arriver sur la maison à loot tranquille, pépère détendu. Normalement, je serai l'un des premiers à toucher le sol. Ça va être bon. Je vais pouvoir ramasser mon petit loot tranquille, vraiment tranquille. Je vais essayer de me décaler délicatement pour pouvoir toucher le toit en premier. Personne ne m'a vu. C'est très bien, je suis caché. Boum. Et je suis le seul sur cette maison incroyable. J'ouvre. Je récupère ça. Time for shield. Et je crois que j'ai du monde en bas. Oh god damn. And I'm gonna go for the dual shotgun. Here I have the dual shotgun. Hop. Ok, j'ai même une AR, c'est good. J'ai même du soin, c'est good. Et là, je suis très bien. Il faut vraiment pas que je fasse quelque chose de travers, là, pour le coup. Alors, nickel. Encore une popo. J'aime bien le shield. Le shield, ça fait du bien. Jean-Claude Van Damme, vous le direz. Le shield, ça fait beaucoup de bien. Alors, je ne sais point. Y a-t-il des ennemis? Y a-t-il des alliés dans la zone? Je n'ai pas d'alliés, évidemment. Mais je n'ai pas d'ennemis non plus, visiblement. J'ai un petit peu de ressources. Je vais essayer de descendre au niveau de la ville. Aller rusher un peu cette poudre de perlimpinpin sauvage qui se balade ici. Là, j'ai un ennemi. Boum, boum, boum. Et voilà, c'est terminé. On n'en parle plus. Get fucking wrecked, bitch. Oh! 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 Je suis coincé. Bouge. Have mercy for me. Have mercy. Boum. J'ai très mal géré mon jeu de shotgun. C'était compliqué. Oh. Il y en a un qui s'est fait exploser. Boum.
Il y a une Scar. Ok. I need your Scar. Beaucoup trop difficile. Oh. Oh god, 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 god. Hardcore. Vite, que je récupère les shields en bas. Que je puisse me popoter la gueule vite fait avant que ça arrive à 50. Vite, 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 vite. Good, good. Oh là là, dans ce move d'enfoiré, je suis tellement heureux de ce que j'ai fait. Oh. Là-bas, il y en a encore un qui se balade. C'est insane, il y a du monde partout. Il y en a deux qui vont se croiser ici. Oh là 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 là. Ça deal des putains de dégâts. C'est énorme, 7 kills. Oh, cette game commence très bien. Oh là là. Là, je suis content. Je suis content, ça se passe très bien. Il faut continuer comme ça. Continuons ainsi, mes amis. Continuons ainsi. Le salut est à nos portes. Ah non, ok. Là, du coup, je vais mettre ça, je vais mettre ça. On est déjà à 7 kills. Il reste 28 personnes. C'est très bien. Et je suis toujours en train d'observer. Et je crois que cette fois-ci, la ville est belle et bien fucking clean. On est en milieu de zone en plus. C'est super méga cool. Je vais me poser dans le toit. Et je vais même me permettre de prendre une petite lampée de café. Ça fait toujours plaisir. En espérant que le karma ne me troll pas. Pour ce petit opening 7 kills dans Retail Row, je vous propose tout simplement de lâcher un petit pouce bleu. Le café dans une tasse de Noël en jouant à Fortnite a un goût bien meilleur. Alors on va gather un petit peu de pierre. Parce que sinon, j'aurai pas de ressources pour le late game. Reste 25 personnes en vie. Délicieux, my friend. Délicieux. On va essayer de finir ce top 1. Caliente. Ça sera le premier top 1 du rapace. Après, c'est pas vrai. On en a déjà fait en live hier. Donc, ce serait un peu mentir. Mais c'est cool. Ça fait toujours plaisir de faire des top 1 en vidéo. Et j'espère vraiment qu'on arrivera à le faire. Et si on le fait, tu lâches un petit pouce bleu, tu t'abonnes. Et la zone est juste là. Donc, je vais me poser tranquillement là-haut, là-bas, en haut. Et nous allons attendre la terre entière. Par contre, du coup, je sais que j'avais un sniper à côté de moi. Je dois avouer, je transpire un petit peu. J'espère que je prendrai pas une balle dans le cul, sachant que j'ai pas de trousse pour me trousser. C'était un peu logique ce que j'ai dit, je l'avoue, je suis désolé. Du coup, j'ai pas de trousse pour me trousser, mais j'ai quelques bandages, j'en ai 14. J'ai encore un semblant de shield. Il y a quelques ressources ici aussi. Je vais aller à la carrière, taper quelques ressources. Et peut-être que la ferme n'a pas été faite. Je ne sais pas. Non, même la forêt magique a été lootée. Je l'appelle la forêt magique parce qu'il y a toujours des trucs qui poussent, genre des potions ou des trucs de fou. Pour l'instant, personne. Je vais essayer de retourner en zone un petit peu. Je vais arrêter de détruire les arbres déjà. Ce sera une très bonne chose, voilà. Ça ira. Et on va se déplacer en zone. Ce qui serait bien pour moi, c'est vraiment que j'arrive à prendre la hauteur là dans les collines là-haut. Après, ça va être vraiment, vraiment difficile. God damn it. J'ai toujours 7 kills en fait. J'ai pas bougé depuis le début de la partie. Non mais là en soi ça va, je suis pas trop trop mal. Bon par contre si jamais ça vient. Putain j'ai pas réussi à l'avoir. Lui il va me jouer c'est sûr. Il y a un loot là-bas en plus. Nom de Dieu. Ok alors. Où est cet ennemi maintenant? Je l'ai complètement perdu de vue. A mon avis, il est derrière la cabane. A mon avis, il doit être derrière la cabane. Top 8, ça va commencer à être compliqué. J'espère que le mec là-bas n'aura pas la zone. On va attendre, on va jouer. Ça va commencer à être... Là, c'est du serious game. Sérieux? Ça construit encore là-bas? Nom de Dieu! En plus, il est plus haut que moi. Je sais pas comment je vais faire ça. J'ai deux possibilités. Ou je le rush, ou il me rush. Dans tous les cas, je suis pas bien. Je crois que je vais faire un truc. Je vais jouer à la fin. Je vais bouger dans la zone. Et je suis pas en zone. Personne ne l'est en fait. Je sais pas si je vais pas commencer à bouger. Non, j'ai failli me casser la gueule et mourir définitivement. Alors, je suis dans les marécages. Je vais essayer de lui niquer la tour d'en bas en fait. Ça serait bien que je le rush. Mais je sais que j'ai un ennemi là-dedans aussi. Je suis pas trop prêt pour ce qui va se passer là maintenant.
Je vais essayer de rusher celui-là d'abord. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, je vais essayer de lui niquer sa tour. Non, c'est terminé pour moi. Pourquoi j'ai fait ce move là? Je suis putain, je l'ai pas vu. Non, je savais qu'il était là en plus. Je le savais. Il m'a enculé avec une Scar en gold. C'est terrifiant. Non, l'erreur du joueur français qui amène à cette défaite totale. Malheureusement, ça ne sera qu'un top 7. Un top 4 et un top 7, c'était un début de partie excellent. Je suis désolé de ne pas avoir réussi à faire le top 1, mais moi, quand je suis en vidéo et que je fais une vidéo Fortnite, pas comme les autres, j'essaye de faire les top 1 one shot. Des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. En tout cas, voilà. Les amis, c'était White. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le fight était là, le commentaire y était là. Je vais vous faire de gros bisous. Vous inviter à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous avez kiffé la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à ce soir pour un live stream. À demain pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.